trois ou plusieurs touches en fait, du coup. Voilà, ça t'apprendra. Pour encourager la défendresse, Sinople, vous hurlerez de cette façon. Pas plus fort, ça sert à rien. Pour encourager le gueule, vous hurlerez sauf les gens de sa famille, et pour une fois, pour en dire tas devant. Quoi? Rigole pas, c'est quoi faire. La championne, est-ce que vous êtes prête? Oh, maman! Elles sont devenues muettes. On recommence. Et toi, je te signale, le ciel père est coupable. Oh, maman! Ouais. Et... Allez! Vas-y. Halte! Non, ça sert à rien de taper comme une malade, t'as touché une fois, ça suffit. Bon, une touche pour Sinop. Moi j'ai vu une touche. Zéro pour gueule. Alors quoi? Si tu fais ça pour faire monter ta côte pour les paris, je te signale que c'est un duel judiciaire. Il n'y a pas de paris. Attends, retourne un petit peu à long. Tu as peut-être besoin d'un petit message. Ah, oh, mon main! Et... Allez! Yeah. Ouais, halt! Deux simultanés. Deux, un. Ah, tu commences à avoir peur, hein? Ah, oh, mon main! Eh, mets-toi en position, t'es attrapé. Mais du coup, elle le fait maintenant. Oh là là. Allez! Un! De partout, égalisation! Ouais, j'aime bien ça. Mais tu pourrais pas lire plus tôt? Enfin, quand tu dis 900 fois le dire! Mais ouais! Enfin, c'est pas possible ça! Oh, on est en alerte là! Tu nous fais perdre notre temps! On va couper alors! Libérez-le! Bon, vous allez quand même pouvoir acclamer nos champions! Attends, je vais les remettre là. Ils sont si bien battus! Voilà! Et du coup? Ah oui? Ça marche pas? Ah ben non! L'homme j'ai joué en Dieu, ça marche pas? C'est bien, il y a trop de soleil. Oui. Je voulais, le tester, mais non, ça marche pas du tout. Hein. Ou alors, t'étais pas assez croyant. Bon, laisse tomber, allez. Bon, c'est pas grave. Ouais, ouais. Bon! Vu qu'on a la populace qui fout rien, et que vous avez la milice à dispo, eh ben faites-vous plaisir! Faites manœuvrer la milice. La milice, sur deux lignes, face à nous, là-bas, dans le gravier. Est-ce que vous êtes d'accord voilà, avec le jugement? Alors, vous étiez d'accord pour l'autre. Ça laisse à penser de la foule qui est derrière sa tige. Mais bon, ça fait rien de la vie. Mon cher Philippe, allez, faites les couches. Maître Mathieu, tu vas écrire qu'aujourd'hui, le Seigneur a finalisé les cérémonies devant la Sainte-Marie. Tu mets les formes d'usage, on peut se mettre à la Sainte-Marie, etc. Les enfants, attention, les ouais, on recule un peu les enfants. C'est bon, c'est noté, c'est tout un cri. Il peut être dangereux, il peut mort. Si je peux permettre de laisser un peu tomber sur une note que vous avez dictée la semaine dernière. Attendez, il y a quelque chose là. Traité féodal, article 50. Nul ne peut être mis au pilori sans gain de procès équitable. Qu'est-ce qui t'a fait faire ça? C'est vous me l'avez dicté, monseigneur. Mais oh, il a avoué, c'est à la rouelle. Et... Allez! Allez, l'attaque! Allez, la première qui touche! Ah non. Voilà, j'ai gagné, je suis né. Couba! Il y a trois touches. Couba! Oh, félon! Gueule! Une touche! Signe 1! Zéro! Une bande de brigands! Fiche! Route dans nos contrées,
seigneurie, c'est nous, messieurs. Non, c'est pas bon. Il est de notre devoir de vous mettre en garde. Prenez les dispositions nécessaires, que Dieu vous garde. Qui a envoyé le message? Qui a envoyé le message? Là, c'est marqué quoi, la signature? Martino. On connaît Martino? Martino. Mais vous croyez quoi? Discrète, vous êtes toujours comme ça? Vous rangez, mais vous ne lisez pas. Alors ça, c'est une réclame peut-être. Je vais t'envoyer une réclame. Mais pourquoi, pourquoi l'ouvrir? Je sais pas. En plus, c'est du parchemin. Sybille. Monseigneur, mais qui? C'est toi? Toi, tu m'appelles Messie, eux, ils m'appellent Monseigneur. Monseigneur. Enchaîne. Monseigneur. Plus fort, on voit bien. Nous avons de fortes raisons de penser qu'une bande de brigands rôde dans vos contrées, pillant villages et petites seigneuries. Ah, que vous disais-je? C'est nos petites seigneuries. C'est... Enchaîne. Roule. Il est de notre devoir de vous mettre en garde. Prenez les dispositions nécessaires. Ben c'est fait. Regarde. Que Dieu vous garde. Que Dieu nous garde. Mais c'est vu que c'est une formule, que ça n'a jamais sauvé personne, c'est signé qui? Attends. De que Dieu nous garde. C'est un certain Martinou. Qui nous a envoyé ce message? Martinou le chauve. On connaît pas de Martinou. Le chauve, le chauve. Le Martinou le chauve, baron de fermer les rideaux. C'est Martinou. Martinou le baron de fermer les rideaux. C'est fait. Action, réaction. Martino, il est radin, comme pas permis, et s'il nous envoie du parchemin, c'est que... C'est que c'est vrai. Purée. Donc, je rectifie, on est vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Ça signifie que nous sommes en alerte. Il va donc falloir... Attends, on avait fait un petit mémo en cas d'attaque. Moi, je vais pas attacher les infamilies. Bah oui, mais justement, c'est pour ça qu'on avait mis ça dans l'ordre. En cas d'attaque, il faut commencer par ci, commencer par mi. On l'avait fait à la taverne l'autre soir, il y avait mon corps d'amination dessus. Il est parti à l'ombre. Bon, je vais essayer de faire un effort de mémoire, en cas d'attaque, en cas d'attaque. Ah oui, premièrement, on avait dit. On est définitivement. Premièrement, ne pas paniquer. Jamais. On va tous C'est une formule. Ne pas paniquer, c'est normal, c'est comme quand on tue des enfants. Les enfants, ne regardez pas derrière vous. Ah oui, alors là, quand on fait ça, il y en a toujours plein qui regardent, mais pas que des enfants. C'est bon, j'ai le principal, j'ai le principal. Ah oui, mais parce que, bon, en même temps, il était... Maître des guetteurs et des défenseurs. Ouais. On avait vraiment écrit ça. Oui, bah, c'était pour pas l'oublier. En même temps, En même temps, t'étais un peu dans l'état du papier. C'était complètement déchiré l'autre soir. Et puis, carrément la mignasse quand même. Bon, il va nous falloir une infirmerie de campagne. Ouais. Il va falloir lancer des projectiles, prévoir des piles de projectiles. Ouais. Il va falloir mettre à l'abri des provisions. Ça, je m'en occupe. Est-ce qu'on peut prévoir de lancer des enfants si on n'a plus des projectiles? Non, ni des nains. Donc, on va aussi écrire des messages au scriptorium. Je m'en occupe. Très important. Bon. Il va nous falloir une milice urbaine, vous en occupez. Moi, je m'occupe des chevaux et on va piocher parmi nos gens exactement ce dont on aura besoin. Ouais. Mesdames et messieurs, on va vous faire d'abord passer la visite médicale d'embauche pour voir à quoi vous êtes aptes. Il n'y a point de grabataire parmi vous. S'il y en avait, il irait directement à l'infirmerie. Alors, vous allez vous mettre sur 5 colonnes à la une. Et à part... qui doit m'emmener un trésor et m'emmène des cailloux. Mais il y a des cailloux. C'est pas caché. C'est qui te les a amenés? Jean-Luc. Jean-Luc. Ça veut dire que... On va se faire massacrer pour des cailloux. C'est quoi ces gadins? Oh, je me suis dit que ce serait plus sympa si moi qui les gardais. Garde! Encadrez-le! Au voilà! Sur les zombies! Bon, on est en alerte, mais c'est pas honteux! En attendant... Non seulement on a attaqué... Oyez, la justice seigneuriale doit s'appliquer! Garde, Midori! Allez, gars! Bonjour, Jean-Luc! Je vais te laisser le choix! C'est moi qui vous dis! Est-ce que tu veux que la populace, elle voit sa face? Approchez! Laissez les sodos! Laissez les sodos! Venez! J'y vais! Est-ce que Jean-Luc a. Donc c'est toi qui le nous verra! Mais sergent! Sergent! Faites-vous plaisir! Venez m'encadrer, plus en plus! Venez là! Venez d'un côté, monseigneur! Approchez! Nous avons un souci! Oh, c'est honteux! On t'envoie chercher des sous, tu nous ramènes des cailloux! Tu sais ce qui risque de t'arriver? Les pierres précieuses ont été transformées en gadins! C'est l'inverse de la pierre philosophale! Ouais, je suis pas d'accord! Je vote contre! C'est bien ça, bon, il faut écrire ça! Flore, faudra écrire ça!
Faudra noter l'heure de la pilorisation et tout ça. Seigneur, demoiselle, demoiselle. Alors, je pourrais m'attraper la feuille de puissance. Seigneur, c'est marqué là. Ah non, commence pas avec les paperasses, ça m'énerve. C'est pas parce qu'on a écrit un truc. Il a avoué, il a dit qu'il n'avait rien fait. Et je rappelle à tout le monde que les prisons, elles sont pleines de gens qui n'ont rien fait. Seigneur, article 130-42. La paperasse, ça m'énerve. On ne peut pas pénaliser les personnes sans jugement. Ah, merci. Mais c'est Article 130. C'est toi qui a déterminé la loi, il faut l'appliquer. Merci. Parce que tu es bon, Seigneur. Mais arrêtez les filles, mais il y a plein de gens qui nous regardent. Mais mon Dieu, envoyez-moi les filles. Non, mais c'est pas nous qui regardent, c'est lui. Mais pas les filles, hein. Oui. Bougez pas. Très bien. Tu veux un jugement? Je déclare ici présent le jugement de Dieu. Moi je dis Seigneur, c'est pas trop prudent. Tu sais, la dernière fois, il y en a un, il a pris la foudre hein, comme ça. Je rappelle qu'en tant que Seigneur, j'ai droit au jugement de Dieu. Ça fait partie de ma convention collective. Le jugement de Dieu pour les ignares, c'est un combat. Oui, entre deux champions. Oui. Et celui qui gagne a forcément raison. Ah ben ouais, c'est normal. Car le jugement de Dieu est sans appel et moi j'ai confiance en la justice de mon pays. Toi aussi. Je suis serein. Et la justice de ton Dieu, t'as confiance? Mon cher Jean-Luc. Oui, c'est moi. Tu vas avoir la chance de te disculper car heureusement nous avons des champions à disposition grâce à Hurlutte et Berlutte. Tu vas pouvoir choisir entre Hurlutte en vert sinople ou Berlutte en rouge gueule. Et que tu crois que c'est le bon moment pour faire de la justice? Mais bien sûr. Il choisit Hurlutte en vert sinople. On l'applaudit la championne, mais pas trop. Et oh, 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 c'est bon. En revanche, attention les gars. Berlutte devient de fait la championne seigneuriale. Spontané, naturel. Ouais. Tout le monde hurle. Ah, ma grande vie, c'est clair. Ouais. Vous êtes prêts? Ouais. Part. À la mort. Allez, on y va. Ouais. Ah ouais, tu cours. J'en profite pas, je tricote. Bon, qu'est-ce que Seigneur, quand t'as fini là bah, une seconde encore, c'est bien. Voilà, ça va mieux, un petit whisky, non? Après. Ta main derrière la rouelle. Le truc bon. Ta main dessous. Hein? Voilà. Bien. Pour encourager la défendresse. Vous hurlerez de cette façon. Pour encourager la championne seigneuriale, vous hurlerez « Si, non, 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 c'est pas de parti pris. C'est bien le col, là, c'est bien. Ah, mon main. Arrête de rigoler, sérieux. Bon, je suis peut-être vieux et sourd, mais j'ai pas entendu là. On abaisse la lance et on hurle arme. Arme. Et... Allez. Allez, allez, attaque. Ouais, allez, allez, allez. Bah, y a une première touche, messire. J'ai pas vu. Ah, moi si. T'es sûr que t'étais bien placé? Ah oui, messire, j'étais très bien placé. C'est moi, je suis arbitre. Malheureusement. Gueule. Une touche. Retourne dans ton truc. Là. Alors toi, si tu fais ça pour faire monter ta côte sur les paris, ouais. Il n'y a pas de paris. Ah ben, j'en ai pris plein. Bon ben, du coup moi aussi je vais prendre des paris. Paris sur le vainqueur. Arme en main. Arme. Arme. Et allez, 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 oui. Sinop. Ah bien, bien, bien. Ouais. Non, non, il n'a pas touché. Non, non, il n'a pas touché. Continuez, continuez. Continuez, continuez. Allez, vas-y, Sinop. Oui. Allez, fais le tour, fais le tour. Oui. 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 Pas mal. Ah, touché. Là, là. Gauche. Oui. Sinop.
gauche, Gaël, une gauche. Ah non, non, c'est l'heure de mes gouttes, je crois. Donc, pour la population des lignes, un partout. Arme en main. Et allez. Non mais maman... Léo, c'est moi la rue. Allez, attaque, attaque, attaque. Ah, il y a de la technique, hein, regardez. C'est pour avoir comme de l'antique. Allez, allez. Non, non, non. Ouais. Deux. Un. Il y a deux. Un. Messire, c'est un peu long peut-être. Oui, c'est un peu long là. Mort subite. Voilà. Alors, les deux mains seront derrière la rouelle. Voilà. Ouais. Abaisse ta lance. N'engagez pas le combat en ligne droite. Vous allez mourir toutes les deux. Et du coup, ça a duré des heures parce que à chaque fois, je vais dire, je touche simultané. Donc l'important, c'est de jouer avec la hampe. Bien joué avec la hampe. N'ayez pas peur d'être ridicule, parce que il y a plein de messieurs. Et rappelez-vous un truc, les messieurs s'adorent voir des dames jouer avec des hampes. Vous êtes prêtes? Allez, c'est ok. Et... allez, 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 allez. Bien tenté.
bien tenté. Bon, allez, c'est bon. Je te remercie.